are your ambitions here? Just to continue the cycle, you know, to help with the team to win another championship and to qualify for the EuroLeague. I understand that, you know, the club hasn't reached the EuroLeague in over a decade, so that's what I'm here for, and that's to help the team try to reach that ultimate goal, and that's EuroLeague. À moins de 4 minutes du terme, Pavicevic grille son dernier temps mort et tente le tout pour le tout. L'Alba jette ses dernières forces dans la bataille et arrive à mener 70-68 avant que les deux derniers lancers de Damon ne fixent les chiffres à 70 partout. Un bonheur intense se lit sur les visages et nos Spirou ont bien mérité leur qualification pour l'Euroleague. Le parcours des Carolo débute le jeudi 21 à Malaga. Un beau cadeau qu'ils offrent à tous les supporters, ainsi que la promesse de belles rencontres européennes au Spirodome. Et c'est 52-37 à la 30e minute de jeu. Le quatrième quart démarre sur le même rythme et le dôme est prêt à exploser. Mallet profite de chaque erreur et ne se fait pas prier pour marquer un panier facile. Du jamais vu, une hola se met en route et rallie tous les supporters pour faire vibrer la salle. Green met définitivement les Sambriens à l'abri et parachève le succès historique du club. La première victoire en Euroleague est réalisée de bien belle manière et le souvenir restera ancré dans les mémoires. C'est certain, c'est un honneur pour moi, commente Dimond Mallet. C'est le travail qui paye sur l'ensemble de la saison. Je vous suis vraiment reconnaissant. Je voulais juste montrer que j'étais un des meilleurs joueurs du championnat et aussi d'Europe. Je suis vraiment content. Mon meilleur moment restera la qualification pour l'Euroleague. Être capable de réussir ça après une décennie, c'était étonnant. Pour le moment, l'important, ce sont les playoffs. Nous sommes premiers avec l'avantage du terrain. C'est un moment très excitant pour moi. C'est là où on voulait être cette saison et on a travaillé dur pour y parvenir. Ce soir, je vais faire la fête avec mes équipiers et on va s'amuser. C'est ton dernier match à Charleroi ? Non, je ne dirais pas que c'est mon dernier match avec Charleroi. C'est le dernier match de la saison. C'est le meilleur moment de l'année quand on gagne un championnat. On verra ce que l'avenir nous réserve. En présence des joueurs et du staff sportif, Gio Bozzi a détaillé sa nouvelle formation. Après deux victoires consécutives, les Spirou ont atteint la finale ce dimanche face à Nymburk. Une victoire dans ce tournoi qualificatif serait synonyme d'une place en Euroleague et permettrait aux Carolo de rencontrer à nouveau des équipes prestigieuses. Il ne peut plus rien arriver dans le dôme. Mallet et Hill assurent le spectacle après une prestation de très grande qualité. La salle est en ébullition et la fête pouvait commencer. Les Carolo s'imposent 79-53 et réalisent donc l'exploit pour la deuxième année consécutive. Les Spirou vont encore nous faire vivre de grands moments face à des équipes comme le Real, Milan ou encore le Maccabi. De très très belles affiches en perspective. Rhythm, please, immediately after the rebound or after the basket that we get. Ah, là il va manquer quelque chose. Damon, dans le vestiaire, c'est l'ambiance, c'est sur le terrain, c'est la même chose, c'est lui qui mène la danse.
il va manquer quelque chose humainement quoi. Si Desmond doit partir, on va perdre évidemment le moteur de l'équipe. C'est clair que Desmond aura marqué de son empreinte ici le Spirou. Bon, on a quand même vécu une saison fabuleuse l'année passée. Voilà, maintenant il faut respecter son choix si vraiment il choisit l'option du Maccabi. Mais voilà, pour l'instant ben, on attend, on va voir, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui aura laissé une fameuse trace au niveau du Spirou. Et on croise les doigts, on verra bien. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, on respectera sa décision. Car à son âge, ça pourrait être un fameux défi à relever. Donc si jamais il doit partir, ben, bonne chance Desmond. Like I said, nothing to hold our heads down. You know, we have a Christmas break where we can, you know, relax and everything.